Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien ce soir? Attendez, je me remonte ma chaise. Hop! Il y a moyen que d'un coup je me fracasse la gueule au sol. Je perds morceau après morceau de ma chaise. Hier, j'ai perdu ça. Je sais pas d'où ça vient. Aujourd'hui, il y a ça qui est tombé. Donc il y a moyen que je me casse la gueule en plein stream. C'est normal, vous inquiétez pas. J'irai chercher un fauteuil de mon salon. Bonsoir Flamemcuche, bonsoir Hadès, bonsoir Sinistra, comment allez-vous? Le chat ne marche pas sur le. Sur mon. Pourquoi le chat ne marche pas? Bah. Pourquoi? Bon, bah le chat ne marche pas sur l'écran. C'est pas grave. Est-ce que vous allez bien ce soir, les copains? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que votre semaine s'annonce? Votre fin de semaine? Parce que du coup, ça, j'oublie qu'on est mercredi, moi. Vu que j'ai pas travaillé aujourd'hui, je suis complètement paumé, hein. D'ailleurs, j'ai fait un nettoyage de visage. J'ai fait un gros nettoyage. J'ai tout viré. J'ai viré tout ce qui m'emmerdait sur les côtés là. Du coup, je me sens propre à nouveau, ça fait bizarre. Je me sens propre. Ça me fait. Ouais, ça fait du bien, tu vois. Ça change. Bref, est-ce que vous allez bien, les copains? Dites-moi. Du coup, ça me saoule, il n'y a pas le chat sur l'écran là. Ça me stresse. Vas-y là. Je suis un grand stressé de la vie en plus là. Imhotep, eh bah ben, Imhotep. Eh bah ben, écoute, si Imhotep. Chat sur l'écran, mais où est-ce qu'il est parti cet abruti? Mais je crois que ce con. Attends. Je crois que ce con. Bah non, il est là pourtant. Attendez. Bougez pas. Attendez. Bon, c'est pas grave, je verrai ça un autre jour. Allez, c'est bon, la flemme. Bref, Imhotep, bon bah écoute, si Imhotep bien, Imhotep tranquille. Imhotep bien, Imhotep tranquille. Mais en fait, même le compteur de viewers en haut à gauche, il est à zéro. Ma connexion, elle est giga instable. Qu'est-ce que ça pourrait être? Attendez, je cherche, hein. Est-ce que le stream il tient chez vous ou pas, les copains? Attendez. Vous savez ce que c'était, non? Dites-moi, vous le savez, non? Vous vous en doutez, si vous me connaissez, vous savez pourquoi la connexion était mauvaise. Je vous laisse quelques secondes pour deviner. Normalement. Si vous connaissez mon organisation, vous allez savoir qu'est-ce qui vient de se passer là. J'ai même pas envie de le dire, mais je pense que du coup vous avez compris. Oui, il y avait Steam qui était lancé, qui faisait un téléchargement. Voilà, merci Sinistra, Steam. Voilà, il y avait Steam qui était lancé. Voilà. J'ai envie de mourir. Il est possible que je me sois gouré de touche en essayant de remettre le chat sur l'écran. Il est possible que je me sois gouré de touche. Pourquoi il est rouge? Parce qu'il fonctionne pas, c'est ça? Comment on fait pour avoir le lien d'un chat? Chat en fenêtré. Ah, c'est ça. C'est pas ça. Pas ça. Bref, c'est pas grave, on verra, on se démerdera. Du coup, les gars, ce soir, comme je vous ai dit, on retourne sur Saints Row 4. Ça va être bien. En vrai, ça va être bien. Je pense que ça va être une soirée assez calme. En vrai, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de monde ce soir. C'est pas grave, une fois de temps en temps.
Ça nous permettra de discuter entre copains. Ce soir, nous revoyons le Tchad, voilà, comme vous montrez avec vos belles émotes. Hop, vous savez quoi, je vais lancer le jeu, ne bougez pas. Hop. Du coup, ouais, moi, si ça vous intéresse comment je vais, bah... voilà. Je dirais juste... voilà, j'espère que ça vous aide. Hop, Sensor 4... Merde, attendez. Voilà. Hop. Tac, tac, normalement on est bon, normalement ça va vous le capturer dans quelques instants. Dans quelques instants, voilà, parfait, on est bien. Je vais baisser le son parce que ça gueule de ouf. Hop. Allez. Vous savez, vraiment cette émote de Tchad, j'ai vraiment pas envie de l'enlever. c'est vraiment... c'est le lore de Boomer, tu sais. C'est le boomer lore de ma chaîne, tu vois. Le lore des vieux. Je me souviens pas du tout où est-ce qu'on en était, mec, par contre, hein, c'est une catastrophe. Hein. J'avais oublié. J'avais oublié qu'on était habillé comme The Man With No Name. J'avais complètement oublié qu'on était habillé comme Clint Eastwood. Alors j'avoue, le Tchad Western, ça m'a surpris. Ah putain, c'est vrai qu'il y a des pouvoirs. Oh, je me souviens plus comment on joue. Attendez, je me souviens plus comment on joue. Attendez. Comment ça marche? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un cluster, c'est quoi un cluster déjà? Je me souviens plus comment on joue, attendez. C'est pas ça que je voulais taper le flic, mais ça marche aussi. Est-ce qu'il y a un Hulk Smash? Le Tchad Western qui met fin à la guerre de sécession rien qu'avec ses épaules. Le Tchad de sécession, plus ou moins on l'appelle. Oh, le Running Bulldog. C'est pas une prise de catch, ça. Voilà, petit coup à la Kenshiro. Ah. 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 Bon. Eh ben, l'amusement, c'est pas aujourd'hui, hein. Sense Rogue 3. Attendez, je le cherche dans la liste des tâches. Pourquoi il est pas là? Ça commence bien. Ça commence très bien. Ça va, il va être bien ce stream, il va être bien. J'ai que des merdes techniques en ce moment, c'est incroyable. Mais j'ai l'impression que c'est un peu général, j'ai l'impression que je vais devoir plein de streamers avoir des problèmes avec OBS. Donc c'est peut-être pas juste moi, je vous jure. Hein. S'il vous plaît. Pas juste moi, s'il vous plaît. On y retourne. Donc on disait, oui, le Tchad qui met juste fin à la guerre. Un nid de contamination du Covid. C'est-à-dire, Sinistra, j'ai pas la blague. Je sais plus ce que j'ai dit. Ah oui, le cluster là, c'est un nid de contamination du Covid. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Exactement. Et nous sommes plus ou moins le docteur Raoult. Donc on va faire des fausses promesses. On va mentir. Et on va vendre son bouquin. Non, pas de politique, pas de politique, pas de politique. On a dit pas de trucs politiques. Du coup, je me souviens pas, comme je disais, je me souviens pas du tout on en était où dans le jeu. Et je me suis... Ok, vas-y, attends, si je leur pète la gueule, du coup, faut voir ça se passe comment. Est-ce qu'il meurt du premier coup ou pas? Ouais, je l'ai one-shot, ça marche, bon, on va faire comme ça. Est-ce que... Vraie question pour les gens qui me regardent. Est-ce que vous avez déjà vu... le bon, la brute et le truand? Parce que du coup là, je suis habillé littéralement comme Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand, comme indiqué susditement. Mais est-ce que vous là, sur le chat, vous l'avez déjà vu ou pas? Pas encore, d'accord.
T'étais pas là, Hades, quand je l'ai passé sur LMF, le film ou... Non, t'étais peut-être pas là, justement. Je confonds peut-être. Oh putain, c'est vrai que j'ai ça, dis donc. J'avais oublié. Et bah du coup, tu vois, Sinistra, j'ai le seul défaut que j'ai à faire au film... Si, t'étais là? Ok. Le seul défaut que j'ai à faire au film, parce que du coup, j'y pense, là, parce que du coup, je suis habillé comme lui, c'est que le film est un peu long. Genre, en vrai, le film est un peu long. Mes clusters, ils sont passés où? Le film, je crois qu'il fait quasiment 3 heures. Et c'est vrai qu'il y a certains passages, ils sont un peu longuets, quoi. Moi, j'aime bien, hein. Mais c'est exactement pour ça que les gens, ils crachent à la gueule de Boba Fett, parce que c'est un peu long, tu vois. Oh, d'ailleurs, mec, le dernier épisode d'aujourd'hui. Oh là 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 là. La masterclass. Pour moi, déjà... Il y a Ip Man 3. Ah! Je pourrais pas être là, mais oui, d'accord. Bah, du coup, je suis en stream. Je suis en stream et en plus, je travaille demain. Donc, moi, après le stream, je vais me coucher immédiatement. Mais, ouais. L'épisode de Boba Fett d'aujourd'hui, là. Oh, ça me dégoûte qu'on n'aura pas de saison 2 parce que les gens, ils se plaignent tout le temps, tu vois. Alors que la série était bien. La série était bien. Moi, je suis désolé, je le maintiens que la série était bien. Et non. C'est la faute à Robert Rodriguez. Elle est bien parce qu'il y a Mandalorian. Non, non. Non, non, elle est bien parce qu'il y a Boba Fett. Bref, excusez-moi. C'est... Excusez-moi, je me mets en colère, mais j'ai vu trop ça aujourd'hui, ça m'a saoulé. Je farm un peu les clusters pour autant qu'à faire. Hein. On va s'y mettre tout à l'heure, vous inquiétez pas. Ah putain, si j'étais en train. À chaque fois, je masterclassais les Maintenant, je veux Mandalorian saison 3. Alors, la prochaine série qu'on a sur Netflix, sur Disney+, la prochaine série Star Wars, c'est Obi-Wan. En mai. J'ai trop hâte, sa mère la pute, mec. La vie de ma mère, j'ai trop hâte, en fait, plus ou moins. Jure, la vie de ma mère. Dis voilà, j'ai trop hâte. Alors. Bah ouais. Eh, Obi-Wan, Kenobi, la série, très très bientôt, mec, j'ai trop hâte. Il me reste 8. J'aurais dû prendre le pour sauter. Faut voir, peut-être explosion. Recharge, non. Non mais ouais, la série Obi-Wan Kenobi, mec. Avec Hayden Christensen, mais surtout avec le plus beau... À savoir Ewan McGregor. Oh. S'il commence pas son entrée dans la série par Hello there, je tape un scandale et je porte plainte, d'accord? On fait comme ça. Hein. Allez, le vif d'or. Mais mec, s'il commence pas par Hello there, je pète un câble hein, et je demande le remboursement de Disney+. Hein, et je fais un attentat. Mais je comprends, je vois vraiment pas ce qu'ils vont en faire et moi j'ai trop hâte de savoir ça justement. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Ouais, je pense qu'il va le faire parce que c'est Filoni et Favreau qui vont s'en occuper. Ça reste des gros nerds et ils savent pourquoi on aime bien, tu vois, donc je pense qu'ils vont le faire évidemment. Mais ouais, c'est vrai que beaucoup de gens ont oublié, mais il y a la série qui sort bientôt hein, en mai, hein, mec. Hein. Ça arrive plus. Tu te rappelles, mec, à l'annonce qu'il allait y avoir une série Obi-Wan, mais les gens ils étaient fous, hein. Tu te rends compte qu'ils l'auraient pas fait si les gens avaient pas autant gueulé? Moi je trouve que c'est incroyable. Hein. Bref, on va peut-être faire une mission. Hein. Parce qu'on parle, mais. Allez, on y va. Ok, we powered up, Sid. How does that get us to Matt Miller? Are you really sure about this? Hop. Non mais ouais, bref, la série Obi-Wan Kenobi, mec, j'ai trop hâte. Hein. Ça va être une masterclass, hein, je vous le dis direct. Vous l'avez vu en premier ici, hein, ça va être une masterclass. Vous pourrez dire aux gens qui diront, oh putain, la masterclass, ouais, l'autruche, il avait déjà prévu, hein. Et les gens diront, ah ouais, l'autruche, ce streamer ultra drôle... qui ne fait pas du tout, qui ne rigole pas du tout à ses propres blagues de prout et de zizi et de pipi.
qui ne rigolent pas à des mèmes où il y a juste le mot caca. J'en ai marre. C'était même pas un rire ironique là, celui-là je le pensais aussi. Comment on fait pour faire une impulsion, j'ai oublié. Trop, même si ça arrivera pas, ce serait un film Clone Wars. J'en ai déjà eu un. Kikakabou d'un brout. Voilà, j'ai 4 ans et demi. J'ai 4 ans et demi. Merci beaucoup, Flammecuche. Bon, cinématique. Un film-film. Ouais, ouais, il y a un long métrage, oui. Ça s'appelle Clone Wars. Il est sur Disney+. Hein. Clone Wars, le film. Ah, tu parlais pas d'un... Ah non, tu parlais pas d'un... Enfin, oui, un film-film. Non, c'est pas possible, ça. Pardon, j'avais pas compris ça. J'avais compris un film, genre un long métrage. Mais il y en a déjà eu, du coup, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi il y a... GLaDOS ? Un film acteur, oui, non, pardon, oui. Je fais mes screenshots pour mes annonces de stream, hein, bougez pas. Ouais, non, ça arrivera pas, par contre, parce que déjà, rien que Samuel Jackson pour jouer Mass Window, il est très vieux. Hein. Wow! Cyberpunk. You know, Kinsey, rescues go better when you have a fucking gun. Well, you don't have superpowers either. I asked for a gun and you give me a typing lesson? It's a command prompt. Just give me a second. Et aussi en septembre, Lord of the Rings. Thanks. Of course. Oh! The you just have to deal with it. What a surprise. Trop stylé, mec. I'm trying, but I'm not used to the. Ça, c'est trop stylé, mec. Give me a second. Et ouais, c'est con parce que je suis bien hype en vrai pour la série Seigneur Zano. Mais je vois trop de gens qui se prennent la tête en ce moment et ça me casse les couilles. Gilles Léger qui se fait harceler. Des gens qui ont des techs absolument désastreuses. Enfin. Ça me pète les couilles, mec. Genre, c'est vraiment une catastrophe ce qui se passe en ce moment sur Twitter là. Les gens, ils ont vraiment le cerveau, c'est de la gelée quoi. T'as la gelée que même un chien voudrait pas bouffer, si tu veux. C'est trop stylé. C'est trop stylé par contre, mec. Hein. Well, I wouldn't want you to go outside your comfort zone. I must say, I am amused at this attempt to save a man who tried to kill you once. Three times, actually. All the same. What is it you hope to accomplish? Battlefield pétition. Ouais, j'ai vu qu'il y a une pétition pour se faire rembourser Battlefield. C'est quoi ce bordel, mec? J'ai vu ça, j'ai pas compris ce qui s'était. Ce que c'est ce qui s'était passé. C'est quoi, en gros, c'est des joueurs qui sont mécontents de Battlefield. Et du coup, ils demandent de pouvoir se faire rembourser, c'est ça? Je suis pas sûr d'avoir bien pigé. Et toi, j'ai vu que t'avais mis Anthem 2048 et ça m'avait fait rire. Shooting tanks, or do you have a better plan? Destroying the tower should destroy the tanks with it. Miss Kensington is rather. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Yeah, well, big towers. Je me rends pas compte là. Je sais pas trop le niveau du son. Not very creative for your superior intelligence. Parce que c'est de la merde. Leur jeu de snitch de merde. Calme-toi, Kishofour. Flammecuche. Je te sens très agressif là. 80 000 signatures en moins de 24 heures. Ouais, enfin pour le nombre de joueurs de sur pour le nombre de joueurs sur Battlefield, en vrai ça me paraît pas beaucoup. Hein. Non mais ouais, bah écoute, les gens ils sont déçus, on leur donne même pas la possibilité de se faire rembourser. Hein. C'est ça quand tu fais un jeu de merde. Hein. Et pourquoi les gens ils sont déçus d'ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé avec Battlefield? J'ai même pas joué, je m'en fous, j'aime pas Battlefield. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pas tenu leurs promesses? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ça me paraît excessif un petit peu quand même. Il y a plus les classes. Et c'est juste pour ça. I'm at the last tower. Let's finish this. Oh, I don't think it should be that easy. C'est bugué, d'accord.
comme beaucoup de jeux, vas-y, j'écoute. Bug, mal au petit. Pas tenu contenu, la saison repoussée à septembre. Oui, c'est EA quoi. Pourquoi ça vous étonne? Ça fait des années que EA ils enculent tout le monde. Hein. Regarde Old Republic. Franchement, si vous vous rendez compte que maintenant que EA c'est des enculés, il faut vous réveiller les gars. Ah. Oh! Allez, c'est parti! Comment ça s'appelle le film dans le futur? La Tron? C'est vers le futur, mais tu me comprends. Yet again, I am impressed by Miss Kensington. Though this attempt is as futile as the life of most humans. Eh, regardez comment je suis en pilote, mec! Sentiment comes from more than just the Zin. Y'a pas l'ambiance Battlefield teamplay. Après, j'ai jamais été très fan de Battlefield. Le seul Battlefield auquel je jouais beaucoup, c'était Bad Company 2. Pour un thème, ça fait mal. Le seul défaut, c'était l'absence de contenu. Red Dead Online. Voilà, Red Dead Online, mec. Il y a du potentiel, mais c'est niqué parce qu'il n'y a pas de contenu. Si, on a des chocolats gratuits là en ce moment. Si on finit les vagues de Valentine. Et c'est même pas une blague. On a des chocolats gratuits. Et si, on a un poncho. Waouh. Ça vaut le coup, hein. J'ai envie de casser les trucs, mec. S'ils annoncent pas du contenu très vite, mais mec, ils vont tellement se faire enculer par tout le monde, ils vont se faire review bomb, ça va pas tarder. Hein. Mine de rien, si les gens qui sont sur Red Dead Online, ils veulent review bomb, déjà j'en ferai partie, je vous le dis clairement. Hein. Mais s'ils veulent review bomb Red Dead Redemption 2, ils vont le faire. Hein. Même si le jeu est bien, ils vont juste préciser qu'il faut pas acheter le online. Hein. D'ailleurs, il y a Sifu qui se fait review bomb. Parce que il y a des Chinois, parce que c'est chinois, parce que c'est sur la culture chinoise, et qu'il n'y a aucun Chinois dans l'équipe. Et apparemment c'est un scandale, et c'est l'appropriation culturelle. Et il y a Sifu qui se fait donc review bomb, surtout par des Américains. Bon encore, étonnamment tu vois. Et je trouve que c'est absolument un scandale que dans tous les articles que j'ai lus de Sifu, des trucs en anglais, ça précise, oui, alors composé par une équipe 100% blanche, sans aucun chinois. J'étais en mode, mais wesh, c'est terrifiant, quoi. Du coup, j'espère que ces personnes ont toujours des Français dans leur équipe, hein. S'ils font des jeux où il y a des Français, hein. C'est pour ça que Battlefield, ils ont pas voulu, en fait. Ils ont mis les Français en... Non, c'était quoi, c'était Call of ou Battlefield où les Français étaient en DLC? Oh, Matrix! Before you, I place a choice. Walk through the blue door and continue to face BF. More ouais. Failures at saving those closest. Mec, littéralement, Matrix. You live on borrowed time and will, through your violent arrogance, wind up extinct. Dis-moi qu'elle est rouge. The humans whom I have collected. I will give them amnesty and even a ship from my fleet to do with as they see fit. However, in choosing this door, you will willingly submit yourself to execution. This is the moment where you can prove to be the savior of humanity. Me dis pas qu'on a déjà fini le jeu, hein. It's absolute destroyer. Is this some kind of joke? This is your life as it led you to this point. Cause encore plus de souffrance. Sauve la race humaine. Display to remind you of one simple fact. Les gars, je fais quoi? You were its greatest threat. The evidence is irrefutable. Les gars, how many have died because you decided that driving on the sidewalk is faster than the road? Because you used a rocket in place of a... Quelle race il a fait péter la terre? Non, bah ce qui retient, tu vois. C'est littéralement Matrix, hein. In the end, you only hurt those you are trying to protect. Ceux qui sont dans la simulation? In the end,
Mais par contre, on a fini le jeu ? Race would be much safer without you in it. On sauve Matt, hein. On sauve Matt, on est d'accord. T'es loin de la fin. Ça va, marche. Oh, la carte de Steelport. Attends, frère, il y a des refs ou pas là-haut, là ? Oh, putain, il y a Carlos là-haut. Oh, Shundi en jeune. Oh, machin. J'ai peur qu'il y ait une grosse paire de nichons qui apparaissent. Il n'y a pas l'autre Chad, hein, c'est pour Hero Sauve Matt. Non mais c'est mort, on va pas se suicider. Le Chad ne se suicide. Is that Matt? Trapped in technology he doesn't understand, in a cyber world he can't control. Une question apparaît à l'écran. Qui es-tu? Tu tapes quoi? Je suis un esclave, va te faire foutre, je suis fabuleux, je suis le leader des Saints. Désolé, le terme fabuleux n'est pas reconnu par ce programme. Tu tapes quoi? Qui es-tu? Je suis incroyable. Qui es-tu? Va te faire foutre. Behold my empire. It's not a whole lot to behold. This is but a glimpse of what I have conquered. La salle disparaît, offrant une vue à couper le souffle du cosmos. Tu fais quoi? Marcher sur la lune, fouiller la planète, vol vers l'étoile violette. Bah, l'étoile violette. En volant vers l'étoile, tu remarques que les autres éloignent. Étoiles s'éteignent. Bientôt, il n'y en aura plus que toi dans l'immensité de l'espace, fixant la couronne de l'étoile violette. Tu fais quoi? Ah, yes. I'm quite proud of this one. This is c'est trop stylé, mec. Terror, as personified by your literary culture. What, a dead pirate with a black parrot? It's a raven. Why does the pirate have a raven? Le son sourd du cœur qui bat remplit la pièce. Toutoum, toutoum, toutoum. Tu fais quoi? Caresse le perroquet, c'est un corbeau. Touche le pendule, mange le cœur, bois le vin. Alors que tu siffles la bouteille d'un ancien vin mortel, ta tête devient légèrement légère et tu t'évanouis. Réveille-toi. L'eau chaude de... Je suis en train de m'étouffer, mec, attends. I thought we were bonding. I tire of this. Deal with her on your own. Ta-ta. That doesn't sound good. L'eau chaude de l'océan te fouette le visage. Tu t'assois, vous voulez que je montre le son du jeu ou pas? Tu t'assois et découvres que tu es sur une petite île déserte, une petite île, une île isolée où il n'y a que toi. Fabrique un radeau avec le corps des mouettes, Sinistra et le chou. Fabrique un radeau en noix de coco, une radio en noix de coco, fabrique une maison en palmier. Fabrique deux verres à martini avec des noix de coco. Tu n'as pas de clou. Fabriquer la radio était plus facile que tu ne croyais, mais ces séries télé rediffusées t'ont appris à survivre malheureusement, tu peux le brancher nulle part. A ta grande surprise, le radeau en corps de mouette ne supporte pas aussi bien ton poids que tu l'avais imaginé. Tu dois revenir sur la terre ferme à la nage. Ok, donc du coup... Tu as grossièrement fabriqué deux verres à cocktail que tu remplis de lait de coco. Tu fais quoi? C'est bon. Pas autant qu'une pina colada, mais c'est bon. Offrir un verre à l'architecte. Oh, oh la vache, le morsif! Une magnifique dominatrix émerge de la seule ombre de l'île. Tu dis quoi? Ta mère est une esclave. La dominatrix fond en larmes, pourquoi tant de cruauté? Tu m'as enfermé dans un enfer virtuel. Ok, accuse la victime, tu dis quoi? Désolé. J'ai pas dit de visite, tu es la première personne que je vois et tu me traites de cette façon. J'ai dit désolé. Désolé, tu as raison. Elle prend un moment pour sécher ses larmes et avec ses menottes en cuir. Le fou rire, alors pourquoi es-tu là? Je veux sauver Matt Miller. Dommage, j'en avais pas fini avec lui. Elle soupire. Tu vas devoir affronter l'adversaire le plus redoutable de Matt Miller. Et c'est qui ça? Oh! La Dominique disparaît et Killbane se tient devant toi. Les Saints pensent qu'ils peuvent me battre encore. Non, cette fois le petit Matty devra combattre seul comme un grand. Qu'est-ce que tu réponds? Ramène la nana avec le fouet. Alors, où est Matt? Tout à coup, Matt Miller apparaît sur le ring. Qu'est-ce que tu dis? Je pourrais pas avoir un autre catch. On y va. Killbrain rit. Tu crois vraiment qu'une mauviette comme Matty peut me battre? Matt Miller perd confiance. Je ne crois pas en être capable. Qu'est-ce que tu réponds? Je sais que tu peux le battre, Matt. Acquiesce faiblement. Bon, d'accord. Donner un faux sentiment de sécurité à Killbrain. Non, je frappais. Killbrain hurle. Oh, c'était quoi ça, putain? Que doit faire Matt? Esquiver la contre-attaque.
Je ne crois pas, non. Matt Miller rate son esquive et Kid Ben le frappe encore très fort. Que doit faire Matt? Reculer. Je sais que tu peux le battre. Frappe-le. Recule. Oh putain, il a juste fallu le bourriner en fait. Matt Miller frappe avec la puissance pour la troisième fois d'affilée et Kid Bane au tapis inconscient. Matt Miller crie, j'ai réussi, j'ai gagné, je te l'avais dit petit. Pousse un petit soupir de soulagement, je savais que tu me tirerais de là. Bon, je peux sortir de cette antiquité de jeu maintenant. Il faut y aller, Matt. Ah putain, le téléphone. Un énorme appareil qui sonne apparaît devant tout Matt Miller. Un câble en spirale relie les deux parts. De la chambre, un revolver se trouve au centre. Décrochez le téléphone. Ah, enfin on est sorti. C'était trop stylé. C'était trop stylé. Surtout quand la meuf est arrivée, on va pouvoir y arriver quoi. Sitting around. Shouldn't we be picking up Matt? The kid could be in trouble. Keith, you gotta relax. The guy's an MI6 agent for God's sake. He can take care of himself. You needed help getting out, and you're the commander in chief. That's a really good point. What did we think of this earlier? Oh, I did. I'm just not a big fan of Matt. Kinsey. Come on, can't I get some payback? Got a little lost, big deal. Oh, he got a little dead, who knows? Oh, he's fine. He's probably having the time of his life exploring Zinyak's ship. Oh, le pauvre. Eh ben, elle était spéciale cette mission. Bon, du coup, j'ai plein de quêtes secondaires, là. Antichambre. Tournée électorale des... Tu viens à l'époque, il va falloir gérer ça comme on l'a fait dans le VIO. Vas-y, on va faire ça. C'est littéralement Mass Effect, hein, ce passage. Hein. Dans le vaisseau et tout, là. C'est du vice-président? Non, That's really not going to work for me. I hope you. Merde. We can't hide from Dommage. The forever. We're going to have to make a last stand eventually. I know you want to, but I don't. Look, you're my boss. I just can't let that dynamic. Laisse-moi te pécho. You're the president. I'm the vice president. You're the boss of the Saints. I'm just one of your crew. Oh, tu saoules. You've taken over cities and toppled rival gangs. Attends, je peux pécho tout le monde là? I've conquered Hollywood and have a name to uphold. Attends, elle est où Kinsey? Just wouldn't work. Je peux vraiment pécho tout le monde là? Attends, oh putain. Salut! Alright, Sid, here's the deal. You need me to ravage you. Maybe. Don't worry, I'm fully equipped to pleasure you. Non! Ma touche de censure, elle est où? Ah! Je me suis fait cessu par un robot. Au secours! Attends. Elle est où Kinsey? Là. Tu peux tout le monde. Jure! Ah! Le bourreau des cœurs. Hey Kinsey, you wanna fuck? Let's go. Oh, le mec qui n'a aucun tact. Oh, c'est horrible. Oh, ça me... Oh, frisson. Attends, y'a qui d'autre que je peux ken dans le vaisseau, là? Toi, j'ai essayé, tu veux pas. Y'a qui d'autre? C'est qui... Attends, y'a qui d'autre? Vas-y, y'a personne d'autre, on est que trois dans ce vaisseau gigantesque, là. Y'a pas Shondi. Oula, il y aura quelqu'un. Quelle déception. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Attends, tu veux pas toi, t'es sûr? Homophobe. J'ai envie de ken tout le monde. Vas-y. Hop. Je suis désolé, le pain dans la... Remember when Pierce got in a fight with that reporter? I was a mess.
Pourquoi il y a une canette qui twerk sur moi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi il y a une canette qui twerk sur moi? Oh, raté. Pourquoi? Je suis pas un garçon facile. C'est pour les sponsors. Non mais je sais, mais pourquoi me twerker sur le... sur le bout? C'est pas normal, hein. J'ai pas demandé, j'ai pas accepté, moi. Hein. J'ai raté mon cluster. Ah putain, je viens de comprendre la blague de Sinistra. Putain, je viens de comprendre la blague de que Sinistra a fait au début du stream, c'est des nids de Covid. Les clusters. Oh putain, j'avais pas compris la blague. Mec, elle vient de me revenir en pleine face. Pourquoi je le KO avec? Ah ok, un trou noir. Ça y est, j'ai compris la blague de Sinistra. Sinistra, si tu es là, j'ai enfin compris ta blague. Aïe! Hades, est-ce que tu peux me dire s'il faut que je vous baisse le son? Parce que j'ai l'impression que ça gueule un petit peu par rapport à ma voix. Dis-moi, je t'écoute. Je suis suspendu à tes jolies lèvres. Excuse-moi, je suis dans mon lore de perso qui a envie de ken tout le monde. J'ai pas l'impression, ça a l'air d'aller. Bon, ça marche. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous monte le son dans quelques minutes, si jamais c'est pas assez fort, etc. Aïe! On sait que c'était calme, c'est calme aujourd'hui, mais bon après je m'attendais un petit peu que ce soit calme, hein. Bon c'est pas grave. Hein. Bronze, parfait. Ça va, c'est pas le truc le plus compliqué du monde. Hein. Oh la voiture gâte. Je pense l'or, je le fais facile, hein, en vrai. Non! Mais qu'est-ce qu'il a ce con de jeu? Pourquoi il crache comme ça tout le temps? Je vais péter un câble, mec! Putain de ta race là! Non mais mec, pourquoi il me fait ça là? Oh vas-y, ça casse les couilles, mec! J'espère que ça a sauvegardé, hein, par contre. Hein. Je vous le dis, j'espère que ça a sauvegardé quand j'ai ken. Hein, parce que... le mec, c'est juste ça qui l'intéresse. J'espère que ça a sauvegardé quand j'ai ken, parce que c'est un scandale, sinon. Hein. On va y arriver, hein. Le jeu il va me casser les couilles, mais on va y arriver, hein, je vous jure. Hein. Bon, j'ai mes screenshots, donc c'est bon, j'ai mes screenshots où je me fais cessu par le droïde. Là. T'imagines une version de Star Wars? Non, je ferme ma gueule, parce que vous allez me sortir des vieux pornos dégueulasses. C'est pas ça que je voulais dire. Et je me refais twerker dessus. Du coup, c'était quoi? C'était ça. Remember when Pierce got in a fight with that reporter? That was a mess. Think you can do more damage than those two did? Voilà, parfait, on y retourne. On va y arriver, hein, c'est pas grave, le jeu il est capricieux, mais on va y arriver. Hein. C'est incroyable à quel point les voitures dans le jeu elles vont me servir à rien. Hop. On va bourriner un peu, on va essayer d'atteindre l'or au moins.
Bon, en vrai, c'est pas le truc le plus compliqué. Je l'ai baissé un peu, parce que moi, dans mes oreilles, ça gueule un peu. Hop. Aïe. Wow, ma cape. Ah, ma cape. Mais ça tue même pas les gens en fait quand ça les emmène devant. J'ai l'impression qu'ils ressortent. Non, alors c'est d'autres gens. Oh là-bas, ça va faire un beau strike. Oh ouais, là, oh là là, tout le monde s'en va. Allez, tout le monde dans le futur là. Bon, est-ce que vous avez confiance en moi pour, ce, pour que ça ne bug pas là? Enfin, confiance en le jeu plutôt, parce que moi, bah, c'est pas ma faute en fait. Bronze. Mieux que tout à l'heure déjà. En toi, oui, le jeu, non, merci. C'est déjà beaucoup. Si je reste appuyé, ça tire plus loin ou pas? Pas du tout. Elle est trop bien cette arme, hein, ceci dit. Cette arme est trop bien. Elle est fumée dans les mecs, mais de ouf. 800 000, ok, j'attendrai pas. Je pourrais pas atteindre ça, je pense, c'est trop compliqué. Ça va être trop limite au niveau du timing pour que j'attrape, je pense. Ouais, non, y'a plus rien, hein, c'est bon. Il aurait fallu que je m'arrête pas, je pense. Ou que je tombe vraiment sur une grosse manifestation. Enfin, qu'il y ait genre masse de monde, tu vois. Oh, ça c'est con, ça. Oh bah, impeccable. Bon bah, 700 000, pas mal, déjà. Bon, pas 700 000. 6500, c'est pas mal. Non, bon, c'est pas grave. 6500, c'est pas mal, d'ailleurs. Elle est trop bien, cette arme, hein. Archant. Ça va. Allez, on y va. On continue. Qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant? Amélioration. Oh. Ça, ça veut faire... Allez, on y va. On n'oublie pas, on est un cow-boy. J'ai dit... Est-ce que je peux améliorer ma course? Course. Il y a vitesse ou pas? Ouais. Ah, ça, 16 Rocky. Merde, dommage. Ah, merde. Bon, en tout cas, j'espère que ce stream vous plaît. C'est vrai que c'est un petit peu calme ce soir. Ton endu, je peux pas. Ah, si, tiens, c'est pas con ça. C'est quoi, ces capacités? Menti limité. Endurance, non, je peux pas. Endurance, je suis au max. Santé, peut-être? Ouais, pour aller. Écoute, tant qu'à faire, j'ai un peu d'argent, donc autant profiter. Allez. C'est comme si, c'est pas comme si je me sortais pas du tout, me servais pas du tout de mes potes, hein, mais bon, aussi. Hein. Bonus d'XP. Mais putain, j'ai pas assez d'argent. Quel con, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Oh, c'est pas grave. Voilà. Hop. Mec, en vrai, je déplace. Je gère plutôt bien les déplacements dans le jeu. On avait vu avec les courses, hein. Récupère ton salaire. Et on peut... Parfait. Exact. Par
Parfait, merci beaucoup Hades d'être mon reminder. Merci d'être plus intelligent que moi. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parfait. C'est quoi ces trucs que je vois sur l'écran, hein? J'ai l'impression qu'il y a un truc là, non? Regarde sur ma mini carte. Tenants is hiding as a regular person in the simulation. Take his ass. Oh les prédateurs mec! Qu'est-ce qu'il y a? Rejoins l'emplacement, allons-y. On y va. Tue la cible. Bah j'y vais. Parfait. Ah c'est lui. C'est qui ce con? Je vais mourir là. Attends un peu. Ils arrivent. C'est bon. Hop. C'est bon, je l'ai eu. Oh putain, alors toi. Well, you've got my vote. Come on by the ship when you're ready to reminisce. Commencez à me péter les couilles, vous, là. Hein. Vous êtes beaucoup, ça m'emmerde. Tiens, vous savez quoi? Allez vous faire enculer. Allez, on se casse. Mec, c'est trop bien pour partir en courant, ça. Dans la vraie vie, j'aimerais trop avoir ça, mec. Attends, je suis en retard au boulot. Ça fait mal aux yeux, ça. On dirait le logo Xbox. Pardon, le logo Ubisoft, le premier. Tang. Est-ce que je peux te pécho maintenant, Keith? Keith? Eh, Keith, ça te dirait qu'on soit seul, toi et moi? I know you want to, connard. I don't. Camp David was a wild time, wasn't it? Il veut pas un chat dans sa vie. Quel homme superficiel. Pistolet d'upstep. Oh non. Je vais me faire DMC. Je vais essayer de le pécho à chaque fois que je passerai à côté, je vous préviens. Bon, c'était cool. C'était cool. Nouvelle quête. Attention, nouvelle quête. Décrets présidentiaux. Oh, vas-y, hein. Assassine le programme malveillant, vas-y on y va. Hein. Tant qu'à faire, hein. Autant continuer. Ah ouais, cette arme, là je vais me faire DMCA. Je crois qu'en plus il y a la version métal et la version hard rock, je crois. Je vais aller vérifier. Où est-ce qu'il y a une armurerie à moi? Elle est là. Bah c'est là du coup. Hop. Comment on fait pour... Non, pas... Je vais aller voir. J'ai 10 000 balles sur moi, je crois, je vais aller voir. Hop. C'est où? C'est là. Et comme ça, je vais racheter des munitions un petit peu. Comme ça, je vais rajouter des munitions. Je vais me racheter des munitions en même temps. Mec, j'ai même pas besoin de voler, regarde. Je défonce tout sur ma route, en fait. Sur ma route, oui, il y a eu du mauvais. Je sais pas, j'ai entendu cette musique de merde aujourd'hui, du coup, j'ai entendu. Et ta race, la con. T'as vu la récompense de la quête? Ah non, même pas. Immédiatement. On le fait
immédiatement, mec. Franchement, quand ça, mec, c'est impeccable. C'est pas, c'est exactement ce qu'il me fallait, donc c'est parfait. Hop. Ouais, voilà. Mais non, mais du coup, mais non, mais t'as bien fait de me le dire. Moi, j'avais pas vu. Hein. Après, au moins, ça aurait été une surprise quand je l'aurais fini, du coup. Allez, on écoute la petite musique. C'est pas une petite musique. Dubstep Gun, le pistolet dubstep, remix DLC. Nouvelle chanson, toujours autant de classe. Ah bah je l'ai en fait. Personnalisé. Oktoberfest. Tu vois, Oktoberfest, je suis curieux quand même. Oktoberfest, ça veut dire quoi? T'as... Ah, t'as America. C'est quoi America? C'est quoi? C'est quoi ce bordel? Oh, j'essaierai après, attends. J'ai 4 ans et demi, hein. Moi ça me fait rire. Hein. Ok, Death Metal. Voir, ça va swinguer. Est-ce que du coup c'est un truc un peu genre... genre jazzy? Que les gens ils dansent? Putain, les gens ils dansent, mec. Ouais, mais vas-y, je suis trop simple, moi. Alors celui-là, du coup. Death Metal, on va essayer Death Metal quand même. Hein. Est-ce que je vais me faire DMCA, mec, tu penses? Ils sont capables, ces cons-là. Hein. Alors en vrai, c'est lourd. Même les voitures, elles dansent, mec. Bon, ok, c'est lourd. C'est un petit peu lourd, quand même. Alors du coup je vais essayer celui-là du coup, parce que c'est pas les mêmes du coup si j'ai bien compris. Indus, Popstar, alors j'ai un peu essayé d'obsep sur l'autre tiens. Je veux, moi j'essaye, rien à foutre hein. Ah oh, je déteste ce style de musique mec. Je déteste ce style de musique. Alors Indus du coup. Qu'est-ce que c'est? C'est pas ce que je voulais faire, pardon. Ok. Et Popstar. Ah bah parfait. Impeccable. Allez, salut. Du coup, c'est quoi? Tu m'as dit, t'as America et t'avais l'air étonné. C'est quoi America? Ça? Non, c'est pas ça. Ça? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme, tiens, du coup? Non. Oh! Un petit M16, là. Ah merde, je l'ai pas acheté. Bah t'en feras ceux que j'ai déjà, du coup. Donc j'ai tout ça, très bien, ça c'est du DLC. Dans les armes. Le premier qui fait une blague. J'ai pas rigolé. Ouais, vache. Oh mec, en vrai, c'est stylé, ça. Ok. C'est moi, je regarde un peu les styles pour les guns. Ouais, bon, ça, c'est littéralement le flingue du scout. Alors, pour le McDom, il y a quoi comme...
Ouais. Oh, il est stylé ça en vrai. Ah bah non, c'est ça le truc du scout. De TF2. Ouais. Il est beau en noir Onyx en vrai. Ok. Bon, celui-là, c'est celui que j'ai, mais j'avais déjà vu, mais je vais re-regarder parce que j'avoue, j'ai un peu oublié. Ah putain! Le pistolet d'Han Solo, mec. Ok. Littéralement Han Solo. Ça, c'est dégueulasse, j'ai pas la ref. Et ça, c'est mon gun de... Ouais, ok. Ok. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, j'espère que ça vous fait pas chier. Je vais juste regarder un peu parce que je les ai pas vus. Bon, ça, ok, ça change rien. Juste regarder les skins d'armes. Putain, il est stylé, lui. Oh, la Thompson. Quoi que celle-là, en vrai, mec. Oh, espèce de petit truc allemande, là. Ah ouais, elle est pas mal. Hein. Alors, ça. Non, attends. Je vois pas. Ouais. Mais en plus, évidemment, je suis obligé de le prendre. Vous le savez, quoi. C'est dégueulasse de me faire ça. Vous le savez que je suis obligé de le prendre. Putain. Voir ça peut-être. Mais c'est trop simple de m'avoir moi. Hein. Ça. Personnalisé. Bon, y a rien, très bien. Personnalisé. Très bien, y a rien. Ça, j'ai pas et j'ai pas. Va falloir que j'achète ça hein, parce qu'en vrai, ça, moi, ça me chauffe. Hein. Ça. Y a pour personnaliser ou pas? Y a rien, impeccable. C'est plus rapide. Non, vous y a rien. Vous allez me faire enculer. Bon bah eh. On est bien hein. Du coup y avait personnalisation pour ça non? Ça ou ça? Bon je préfère celui-là moi. Voilà excusez-moi, je suis désolé. Hop on va se ravitailler évidemment. Hop allez on y va. Je suis désolé j'espère que c'était pas trop chiant à regarder. Oh. Faire écoute le bruit. Il fait ça du coup. Et ça se recharge ou faut que je... Ah non, faut que j'achète des munitions quand même. Attends, c'est où? C'est là-haut. Oh putain de dieu. Attends. Je vais racheter des munitions. Ah ouais, nom de Dieu. J'en éternue, excusez-moi. Et faire le bruit de celle-là. Le tir alternatif. Oh bah c'est ça. Encore un autre. Bah c'est le même. C'est le même. Regarde le mur du magasin, il y a une ref. Ah. Attends, je vais voir. Une ref qui va me plaire, je suppose. Je pense que c'est pas ça la ref. Est-ce que c'est ça la ref, Hades? Dis-moi que c'est ça, je t'en supplie. À l'intérieur. Non, je cherche. Ça là? J'ai pas. Oh bah attends si! Non. Non j'avoue j'ai pas là. J'arrive pas à trouver de ref Hades. Je cherche mais j'ai pas, dis-moi. En dessous de la guitare. Le truc là là? Bah j'ai pas. Attends. En dessous de la guitare. Ouais ça?
Bah j'ai pas. Ça, ou ça là, je suppose, mais j'ai pas. Hein. Le fusil de l'alien. De quoi? Ah ça! Ah bah je te fais confiance là. Alors là je te fais 100% confiance mec. Hein. Attends, si je sais ce que je voulais acheter. Putain, 20 000 balles! Bon, c'est pas grave. Mais non, bah j'avoue, désolé Hades, je l'avais pas là. Là, je l'avais pas du tout. Bon, allez, on va peut-être aller faire la mission, non? Parce que du coup, on a sprint illimité sur la Russie, donc... je démissionne. Après, t'avais pas postulé non plus, je t'en rappelle. Hein. C'est avec le temps, ton statut a fait que... Mais non, j'avoue, je l'avais pas, désolé. Mais après, j'ai jamais été un giga fan d'Alien non plus. Hein. Alien, je l'ai fait en stream, mais j'ai jamais maté autre chose que Alien 1 et 2. Hein. J'ai pas maté les autres, moi. Hein. Après, vous savez que je suis une gigantesque tarlouse. Donc moi, les films d'horreur... Hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un devin pour savoir que j'aime pas ça, quoi. Hop! C'est bien comme technique parce que du coup, quand il fait ça, le sprint il s'économise un peu sur le trajet. Merde. Le sprint s'économise un peu sur le trajet et on continue d'avancer, donc j'aime bien. Mec, j'ai même pas besoin de faire le planage tellement le sprint. Le... C'était pas lui. Lui. Bah attends, on va tester ça. Bordel de merde. Impeccable. C'est parfait, mec. C'est parfait. Oh mais c'est facile. Tiens, je vais utiliser ça du coup, ma nouvelle arme. Je tire mal. Ok, attends. Par contre, ouais, ok, voilà. Recharge vite. Merci. Merci. Tiens, casse-toi, toi. Non, mais j'ai fait tout le jeu avec à l'époque. De quoi parles-tu? De. Du fusil d'alien, c'est ça? Quand tu es le chef de l'État, tu sets tes propres règles. Et. Cette simulation est la même façon. Et merde. Oh putain, heureusement que je peux sauter dans le mec. Ah, l'America! Ah, tu m'étonnes, mec. Ouais, mais après, y'a même pas de défi en fait, ça one shot tout en fait. Attends. Ah! Hop! Hop! Oh! Hop, mon 20ème! J'essaie de faire un peu des parcours, tu sais, pour les récupérer en même temps que je vais aux missions. Oh! Fraude! Yes, j'adore ces trucs-là. Après, le défi dans Saints Row, j'ai envie de dire... Merde. Il est vrai, Hades, il est vrai. C'est tellement facile dans celui-là en vrai l'arnaque à l'assurance. T'as juste à rouler en fait, tu fais la roue et voilà. Tu prends quelques trucs sur la route et voilà, t'es bon. Tu fais des putains de scores de ouf. Voilà, bon, je vais pas m'arrêter jusqu'à ce qu'on ait 600 000 hein, du coup. Hein.
Voilà, bon ça va vous sinon? Vous passez une bonne soirée les copains? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font à gauche? Non, 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 vite, vite, vite! Oh, mec, 400 000, c'est bon, hein! Allez, on fait le trajet dans le sens! On fait le trajet dans le sens, évidemment! C'est le truc le plus marrant du monde, je trouve, de faire des trajets comme ça. Je compte les jours avant Warhammer 3. Ah, combien de temps, Hades? Combien de temps avant le 3, du coup? C'est vrai que ça fait longtemps que... C'est vrai que, putain, c'est vrai que j'ai oublié qu'il devait sortir sur le compte-jeu. Si je fais pas l'or, je comprends pas. Hein. Mec, si je fais pas l'or, je comprends pas. Neuf jours? Oh, c'est proche! Et tu l'attends bien ou pas? Enfin, tu l'attends vraiment? T'as pas plus d'espoir depuis? Moi, j'ai hâte aussi qu'ils sortent. Comme ça, Creative Assembly vont pouvoir passer à d'autres choses. Ils vont peut-être arrêter de nous casser les couilles avec, avec Warner. Ils vont peut-être retourner sur des périodes historiques, tu vois. Je dis ça au hasard, hein, tu vois, mais... Ou un jeu Seigneur des Anneaux. Mec, en vrai, imagine, ils font un jeu Seigneur des Anneaux. Parce que du coup, en vrai, genre, faut en parler, hein. La série Seigneur des Anneaux, ça va peut-être relancer le jeu. Ça va peut-être relancer, pardon, la mode des jeux Seigneur des Anneaux. Et du coup, on va peut-être pouvoir avoir vraiment des jeux de ouf. Déjà, il y a le jeu Gollum. Tu vois, parce que des jeux Seigneur des Anneaux, à l'époque, enfin, depuis quelques temps, il y en avait, tu vois, mais vraiment très peu, tu vois. Il y en avait quelques-uns qui sortaient du lot. Mais là, il va pouvoir y en avoir de ouf. Et c'est, ça, c'est trop bien, ça. On va pouvoir peut-être avoir de nouveau des jeux Seigneur des Anneaux, mec. Tu te rends compte? Imagine un vrai STR Seigneur des Anneaux. Et genre Battle for Middle Earth, tu vois. Battle for Middle Earth, mais en bien. Le jeu Gollum, il m'attire pas du tout. Bah moi non plus, mais je le ferai quand même en stream, tu vois. Parce que ça a l'air d'être un truc un peu d'enquête, un peu comme Black Sad. Donc en vrai, il y a peut-être moyen, tu vois. Mais il y a un jeu, il faut pas oublier qu'il y a un jeu Indiana Jones qui va bientôt sortir, on rappelle, hein, par Bethesda. Ou par Ubisoft, je sais plus. Non, Bethesda, je crois, Bethesda. Pareil, il y a des jeux Star Wars en route et tout. Moi, je suis chaud, hein. Moi, je suis vraiment chaud, les mecs. Hein. On va avoir plein de jeux à stream, ça va être super. Mec, c'est le truc le plus ridicule du monde, cette mission. C'est trop facile de niquer le jeu. Oh, attention, ça va faire mal quand ça va retomber. La voiture va dire... Oh, bam! Bon, on arrête ou on continue, là? Bon, je pense que je peux arrêter, du coup. Oh, si, allez. La guerre du Nord, peut-être que je le ferai en stream, Hades. D'ailleurs, je t'en avais parlé, je crois. Je t'en avais parlé, mais j'ai envie de le faire en stream, la guerre du Nord. Juste par curiosité, en fait. Peut-être j'en faire juste un stream dessus, tu vois, mais j'ai envie. Parce que vraiment, je l'ai jamais fait, la guerre du Nord. Hein. Et j'ai vu plein de vidéos, il a l'air cool. Enfin, moi, je trouve qu'il a l'air cool, de mon point de vue, tu vois. On continue cette mission, je veux le sprint illimité, hein. Those hotspots are just like, well, il était trop bien, bah tu vois, il se faisait pas en cop en plus, mec. Parce qu'à la limite, en vrai, tu vois. Je crois qu'il se faisait en cop, la guerre du Nord. Pas la guerre du Nord, la guerre du Nord. La guerre du Nord. À 3. Oh. Bon, on est que 2, mais en vrai, ça se fait, hein. Désactive les générateurs. J'y vais. Raté 40. Putain les gars, faut que je vous raconte un truc. Avec une amie aujourd'hui, on était en train de s'appeler. Et je sais pas pourquoi, j'ai commencé à aller regarder les noms des Gaulois dans Astérix. Parce qu'il y avait des jeux de mots super drôles, tu vois. Et il y en a un, il s'appelle, dans le lore d'Astérix, il s'appelle 4 et 2 6. Et je trouve que c'est le truc le plus créatif du monde. Et je trouve que c'est un scandale que ce soit aussi drôle, en fait.
006 également. Aïe! Putain. Voilà, 4 et 2, 6, moi ça me fait trop rire. Oh, attends. Comment je change ma télékinésie? C'est quoi la touche pour changer la télékinésie? J'ai oublié. Merde, c'est quoi la touche pour la télékinésie, pour changer les touches de la télékinésie? Ah, c'est ça. Putain, c'était quoi? J'ai oublié. C'est un anneau RDV la gare du Nord. C'est ça, exactement, c'est exactement ce que je pensais. Explosion. Élément. Explosion. Pour plus tard au sol? Ah bah... c'est pas ce que je voulais faire, donc tant pis. Ok, ça marche. Bon bah je te fais confiance alors. M'expliquera. En temps voulu. Coucou Vince, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir mon copain. Ça va beau gosse? Tu viens voir Chad with no name? Oh non putain, je vais me faire défoncer par l'autre gros, par un gros con là. Oh bah je vais utiliser le America à mes couilles là. Attends, ils sont beaucoup là quand même. C'est l'heure des grands moyens. Putain, heureusement que je tire bien, mec. Vente de chez mon beau-frère. Il a insisté pour me faire un sandwich, je suis refait. Ah bah tant mieux. T'es calme, ça. Au moins t'as bien mangé. Je vais mourir là, non? Je vais mourir, hein, c'est chaud, hein. Hop, de la vie, hop. Allez, vite, on prend ça. Installe-toi confortablement devant ce stream, mon cher Vin. J'espère que ça te plaira, que tu te divertiras. None horse with no name. Rejoins l'emplacement. Collection de virus. Ok. So, I won't. Mec, j'ai tellement hâte d'avoir le sprint illimité. Connard de virus. Ah non, collection de virus. Collection de virus. T'as débarqué un jour de Chine. T'as débarqué un jour de Zin. Retourne-y, quand il convine. Zin, c'est la ville des aliens. Ils m'ont pas vu, là. Ah si. Ils m'ont vu. Oh, c'est un Vettel en fait. Qu'est-ce qu'il fait Renault tiens en ce moment? Faudrait que j'aille voir sa page YouTube, sa page Facebook et tout. Oh la statue! Ah mais oui, c'est ça que tu m'avais dit Hadès. Que même la statue, elle avait été remplacée. Il nous a remplacé le statue, l'enculé. Ta mère, je me suis raté. Voilà, parfait. Virus collecté. Garage clandestin. Tu as fait Star Wars Squadron? Je l'ai commencé, je l'ai jamais fini, mais je l'ai commencé, effectivement, oui. Véhicule, mais des véhicules. Des véhicules. Loser, quoi. Genre, dans quel monde je vais utiliser des véhicules dans ce jeu? Squadron, je l'avais commencé, ouais, sur PS4. Mon salaire.
Merci Hades. Ça s'appelle un sub. Je déconne. Je vais garder mon argent. Et t'es tout flou. C'est bon. Et toi d'abord? Laisse toi t'es flou wesh. Vas-y, comment tu me parles frérot? Laisse toi t'es flou là, vas-y. Au calme. Allez, on y va. On va avoir le sprint illimité, ça va être trop bien. Dégagez, j'ai une mission importante, je suis le président des États-Unis. Ça c'était gratuit. Tiens, dégage, demain t'as... Ça, attention hein. Président des États-Unis en mission, alors je voudrais dire foutez le camp hein. Tiens. Merde. Putain, tu me doubles pas toi. Toi non plus, me merde ma faute. Aïe merde. Cassez-vous. C'est le président. Ouais, attends, je te fais une queue de poisson. Oups. Vous m'emmerdez là. Pardon, je passe. Poussez-moi, excusez-vous. Est-ce que je passe au milieu, tu penses? Ah, mais je suis trop fort en fait. À part Hades, il y a des gens qui ont fait le jeu ou pas? C'est parti. On va... Oh, je suis pas confiant, mec. Je l'ai fait il y a longtemps, ouais. D'accord, ok, ça marche. Oh, ça va être dur, ça. Oh non, en fait, ça... Aïe! Bah en vrai, le jeu je l'avais jamais fait. Mais en vrai, je kiffe bien. Je kiffe plutôt bien ce qui se passe en vrai. Donc je suis content. C'est Saints Row. C'est le premier Saints Row et Agents of Mayhem. Je connais même pas Agents of Mayhem, mec. C'est quoi? C'est Saints Row et Agents of Mayhem? Ah bon? J'ai quand même hâte de voir le prochain Saints Row là en vrai. Bon, j'ai fait la bronze, on est bon. J'ai coulé un bronze. T'es tellement pas prêt pour la suite du jeu. Comment ça? Pourquoi? Non! Je veux monter! Comment je remonte? Ok, c'est shift. Tu vas kiffer. Ah ouais, mais en vrai, le jeu est bien, en vrai. Je sais pas pourquoi je m'étais arrêté, j'avais un a priori sur le jeu, en fait. Un jour de spin-off, je sais pas trop, au pouvoir ou des conneries comme ça, j'ai joué 10 minutes, je crois. Ah ouais? Ah, enfin, je regarde, alors, ça peut être intéressant à faire un stream, ça. Ah, ils sont en dessous. You can clear up later, mate. Bon, et argent, c'est pas mal. Bon, j'aurais pas or, mais argent, c'est pas dégueu quand même. Ah, mais en fait, ça détruit des voitures que je ne vois même pas sur mon écran parce qu'elles n'ont pas spawn en fait. Je comprends mieux. Bon, je vais juste bourriner, on verra. Hein. Dommage. Bon, c'est pas grave. Bah écoute, je note Agent of Mayhem. Par contre, après celui-là, on va faire Gate Out of Hell. Enfin, le jeu avec Gat en enfer. Faudra que je le chope et que je l'achète. Aïe. Hop. Rejoignons Keith. Est-ce qu'on pourra le pécho au moins ou pas? You know,
This all really takes me back. You want to do some more? Come by. Allez. Je veux mon sprint infini et je veux pécho Keith. Keith. Gate Hat of Hell, il est à 3€ sur Instant Gaming. Ah bah tiens, j'allais prendre tout à l'heure du coup. Il est en stock, hein, au moins. Parce que la dernière fois que j'avais regardé, il était plus en stock. En stock, ouais, sinon je l'aurais pas dit. Ok, ça marche. Bon bah écoute, j'irai voir ça tout à l'heure. 3€. Ça fait cher un jeu que je sais pas si je vais aimer quand même. J'ai l'impression que tout le monde lui crache à la gueule à Gate out of... C'est dur à dire. Gate out of hell. Ça fait un demi-kebab. Oh, putain, ils sont pas chers tes kebabs. Hein. Putain, la vache. Vers chez moi, ils sont pas à ce prix là, mes kebabs. Hein. Hop. J'ai raté la porte. €6,50 à Nantes. Ah oui, remarque. Oh, pareil, c'est plus cher un kebab. Hein. Est-ce que je peux pécho Keith? Je t'en supplie, est-ce que je peux pécho Keith? We've all had enough of Zinyak shit. Do this, and you can set your own terms in this fight. I need every advantage I can get. Yes. That's really not gonna work for me. Oh. I hope you understand. Je peux toujours pas le pécher, ça, le pécher. Toujours pas le pécho, ça me saoule. T'as pécho Pierce, j'ai pas encore Pierce dans l'équipe. On est pas loin dans le jeu, mine de rien. Antichambre, jeu de pouvoir, obéi, assimilation, identifie. Piratage, défi supplémentaire, élément de télékinésie. Non mais t'inquiète, je savais qu'il allait être là, mais... On va faire celle-là, tiens, allez. Je vais requen avec Kinsey et on voit après. Kinsey, viens on baise. Hey Kinsey, you wanna fuck? Let's go. C'est tellement le truc qui n'existe pas dans la vraie vie, ça. Oh, la petite musique par contre. Every store you hack feeds me security data. Et après, par mission. Data to insert a virus which will open up a doorway back to the ship. So go hack while I work on the virus. Got it. Ah d'accord, ok, bah allons-y. Je dois faire quoi du coup? Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas cette mission là que je voulais, c'était antichambre. Ah, pirate le rim job. Allons-y. Non mais ouais, du coup j'ai vraiment jamais joué à Get Out of Hell et j'ai même pas vu d'image de gameplay en vrai. Hein. Eh maintenant on s'en fout, on a la sprint illimité. Maintenant, ce qu'il faut améliorer, ce sera la vitesse du sprint. Voilà, on est tranquille maintenant, c'est bon, on n'a plus de soucis à se faire, regarde. Dégagez. Oh mec, le sprint illimité, ça fait tellement du bien en vrai. Ah bon, bah tant pis. L'endurance illimitée carrément en fait, c'est même pas le sprint. Ah non, c'est juste le sprint ou endurance aussi? Ah non, c'est juste le sprint. Bon, c'est pas mal déjà. Vu que le sprint il fait absolument tout. Oh, c'est tellement agréable, mec. J'ai plus rien à foutre. J'ai même plus à réfléchir à des stratégies pour aller plus vite et pas rater un peu de... J'ai plus rien à faire. Hop. Oh, fais chier, je suis nul avec ça. Quoi? Bon, ça va. Ok. On y va. Bon, sinon les copains, qu'est-ce que vous faites de beau en m'écoutant là? Qu'est-ce que vous faites, hein? Est-ce que vous faites des trucs intéressants dans vos vies? Dans vos vies, moi. Je suis très intéressé, à dire vrai. Pendant que j'envoie chier tous les véhicules et que je leur fais des queues de poisson. Dégagez! Je suis le président! C'est moi le président!
Mia. Dégagé, Compagnie of Heroes 2. Oui, j'ai vu qu'il rejouait pas mal en ce moment, Death. Et ça, c'est bien. Je crois que j'y ai joué, mais il y a très très longtemps à Compagnie of Heroes. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué finalement. J'étais un peu mauvaise langue. Allez, on y va. Ça marche, bonne nuit, poteau. Merci de passer en tout cas. Bisous à toi et bon courage pour ta journée de demain, du coup. Aïe. Avec les news sur E3, ça m'a redonné envie. Bah, c'est cool ça. Après, je vais être honnête, hein, je pense pas que je vais couper très très tard parce que mine de rien, je travaille aussi demain. Hein. Quelle heure il est là? Putain, il est déjà 23h! Mais après, j'ai commencé à 21h avant ça. En espérant qu'il sorte cette année. Ah, y'a pas de date pour Company of Heroes? Là, j'ai vu qu'il y avait Wolf Among Us 2 qui avait été annoncé. De Telltales. J'ai jamais fait le premier, je sais même pas c'est quoi. Mais je sais que les gens aiment bien, donc. Tant mieux, du coup. Bah si c'est un jeu Telltales, du coup je me doute de quoi c'est quoi, tu vois, mais bon. Je suis pas très très Telltales de base, donc ça va être chaud quoi. Avec Warhammer et Elden Ring, j'ai de quoi stream pour un moment. Alors putain, Elden Ring, je sais même pas ce que c'est, mec. C'est quoi, c'est un genre de Dark Souls, c'est ça? Je suis en train de niquer tout et on va l'air. Je sais déjà ce qu'il faut faire. Hein. Oh non, en vrai, je peux pas faire ça, je peux faire ça directement. Dark Souls, littéralement, ouais, voilà, donc c'est pas pour moi. Quoi. Donc jamais je n'y jouerai. Très bien, faisons comme ça. Allez. On y va, comment je connecte l'intégration du virus, je suis pas comme mes couilles là, voilà par là. Ouais bah du coup ce sera pas pour moi hein, qu'on soit d'accord. Mais pour les gens qui aiment ça, effectivement t'auras des trucs à streamer, vous aurez des trucs à streamer. Et à voir sur Twitch, mais pas chez moi du coup. On a vu avec Sifu hier. Tu pourras voir sur ma chaîne. Je n'hésiterai pas. Avec ma connexion, c'est pas dit que j'arrive à regarder ton stream en 1080p sans transco, voilà, c'est ça. Mais on verra, écoute. Putain, mais retourne, viens! Viens! Oh le bâtard, il est parti. Bon bah tant pis, hein. Voilà. Non! Oh, ok, c'était pas très spécial, c'était pas très beau, mais c'est pas grave. Du coup, demain, je me lève à 7h30, moi. Mais je commence à 14h. Alors, vous allez dire, mais Ludo, pourquoi tu te lèves aussitôt? Bah, parce que je vais à la salle avant d'aller au travail. Ce qui est une idée à la con, parce que demain après-midi, on a une grosse livraison. Mais je vais pas sacrifier un jour de salle. Je vais pas sacrifier un des rares moments où je peux aller à la salle le matin, donc... Après, je vais travailler en vélo, évidemment. Tue les ennemis pendant le transfert du virus. C'est peut-être un peu trop simple, non? Oh, si c'est trop simple, y'a même pas de défi, mec. Vous m'emmerdez, vous.
Alors ça me plaît pas. Alors ça ne me plaît pas, mec. C'est qui, lui? Pourquoi il y a Super Genki? Oh, le bâtard, il a esquivé ma roquette. Pourquoi il y a Super Genki, par contre? Je l'ai eu? C'est bon, je l'ai eu. Ok. Bah ok, pourquoi pas. ...720p, je suis obligé tant que j'ai pas la transco à la con. Oui, je comprends. Oh, mais ça viendra, un peu de persévérance. Hop. Vous êtes quand même beaucoup, les gars, là, non? Vous trouvez pas que c'est le moment d'un petit... Nom de Dieu, ce bordel, mec. J'espère le bitrate du stream a pas chié dans la colle. Je vais atteindre les 700 heures sans le transco. Ah, t'es à 700 heures, toi, bientôt, là? Bah, moi, j'ai dépassé les 500 heures hier, là, avec Sifu. Et ça m'a fait bizarre, un peu, de voir ça. Putain, ah ouais, quand même, en fait. 500 heures sur Twitch, c'est beaucoup, quand même. Parfait. Kinzi. Je dois foutre. Bonjour Kinzi sur le vaisseau. Allons-y. T'as juste 200 heures de plus que moi, laisse quoi. Après, c'est pas une question d'heure, c'est une question de s'amuser. Tac, contre nous. Moi, je m'amuse avec le transco. Ça va, on rigole. Hop. C'est pour toutes les fois que tu me rappelles ce que N Bones. Oh la vache! Oh attends, je vais prendre le truc en haut de l'église. Hop. Alors il y a soutien petit streamer qui vient de follow. Merci, merci beaucoup. Good news, I was able to open the merci beaucoup pour le follow. Turns out this method is really useful. Think you can keep going with it? J'espère que t'es pas un bot. À quand Dishonored 2? Ah, c'est marrant. J'aime pas ça, faut que je sauvegarde. Ça a pas craché depuis longtemps, faut que je sauvegarde. Ouais. Je viens d'y penser. Ah, c'est marrant. On est quand même l'antichambre de la police, hein. Antipot de chambre, non, c'est pas gentil. Tiens, le lapin blanc. Je me demande si c'est une référence à quoi, quand même. Hein. Oh, je me demande si c'est une référence à quoi. Hein. On va faire la mission principale, allez. Avec des cinématiques et tout. Ça me manque. Je me prépare à faire des screens. Kinzi, this is not the time for a teachable moment. If we don't help Matt, he will die. J'ai raté mon screen, je suis dégoûté. Coucou Papy Bullman, ça va? Oh, tu vas faire Black Flag, comment je vais bourrer Skull & Bones de partout. Ah, ça va être drôle. Oh, you're beautiful. Thanks. I was talking to the robot. It's power armor. Same thing. Nom de Dieu. A robot is an automaton, whereas power... Il y avait des nichons. Il y avait des nichons, j'ai eu peur. Il y avait des nichons de Chun-Li. Pacific Rim. Ah oui, c'est ça en fait.
Ah mais oui, mais j'avais pas la ref, mais en fait oui, c'est pas si c'est écrit en fait. This thing takes some getting used to, huh? Are you breaking my power armor? Kind of. If you do damage the power armor, you can find repair kits in some of the storage crates. Je dis des mangas Ulu. Ah yes. Eh ben, amuse-toi bien, mon cochon. Get this thing through the door. Ugh. Oh my god, this is a real world. I can't just waggle my fingers and oh, oh. Kinsey, you weave worlds like a goddess with a brush. I'm guessing that's enough. Trop stylé, mec. Faut que je le re-regarde encore. Je l'ai vu il y a très très longtemps le premier. J'ai jamais vu le 2 par contre. Je crois qu'il y en a un, il y a un 2 à Pacific Rim, c'est ça? J'ai jamais vu le 2. Hamage pour coup d'épaule. Oui, ça marche aussi, oui. Come on, you idiot bastards! You take care of what's there, and I'll make sure they don't alert the others. Comment je lâche? And that from the start. Il existe, on va dire ça. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre en fait, c'est qu'il était pas ouf, c'est ça? Par contre, c'est con, on n'a pas de flingue. Il est beau. Bon, c'est pas mal déjà. Au moins, il est beau, tu vois. J'ai l'impression que ça gueule un peu de ouf là, non? Je vais baisser un peu. Hein. Ou alors, attends, je vais monter un peu mon micro. Bouge pas. C'est ça gueule un peu là. Voilà, je monte un peu mon micro. Ah, voilà, ça a l'air bien. Hop, parfait. Le scénario, c'est du Star Wars 9. Ah, c'est à chier, quoi. Bien, je note. Ça, tu parles de choses que je connais, donc... Si c'est du Star Wars 9, c'est à chier, en fait, du coup. Allez. Du coup, confirmez-moi que vous m'entendez bien quand ça pète, là, s'il vous plaît. Et ou alors, est-ce qu'il faut que je remonte un peu le son de mon micro ou que je baisse le son du jeu? Je vous écoute, hein. Vraiment, dites-moi, s'il vous plaît. Ouais, on m'entend. Ça marche. Je vais baisser dans mes oreilles du coup, parce que moi ça gueule pour le coup. Sympa les Terminators là. Je me doutais qu'il allait avoir une couille, donc je préfère attendre. Voilà, allez, on y va. Oh, c'est une connerie, ça. C'était une connerie. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh. Salut, les jeunes. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça boba? I didn't realize they had robots. I knew it was a robot. Kinsey's been on my case about it being power armor. So, not a robot. Oh là, les chiants quoi. Allez, on y va. Je pense que je couperai après cette mission. Ça Windu. Hein? Comment, j'ai pas compris. Comment ça, ça Windu? J'ai pas la blague, Hades. Eh merde. Windu. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai oublié, hein? J'ai oublié ce que j'ai dit, moi, depuis, hein. Il s'est passé plus de 20 secondes, hein.
Moi je réfléchis, je parle au jour le jour hein. Pas plus tard, après c'est chiant. Hop. Bon ça va, ils sont pas très compliqués. Oh y'a du monde là-bas. Revenez là, revenez là. On est bon. Poisson rond, jouer à l'émote qu'il faut avec Karma. C'est vrai. Ça par contre c'est vrai, je suis d'accord. Bah écoute, vas-y, fais-la hein. Je te regarde hein. J'ai plus place pour des émotes, y'a pas assez de subs. Et je ne supprimerai pas le chat. Ah, des flingues, ça y est. This will be much different than any other weapon you're used to. I think I know how to use a gun, Matt. More than just a gun. Non, j'aime pas ce smiley, allez, s'arrête. Right on. C'est par fait. C'est impeccable. Arrêtez avec ce smiley, j'aime pas ça. La terreur du sourire, oh putain. Ça ferait un super film de Jump Carpenter, ça, mec. Les sourires ont des yeux, quoi. C'est pas ce que je voulais faire. Kinsey, we need that pickup. Where are you? I'm close. I'm also lying. But I'll be there as soon as I can. Incoming! J'essaie de me concentrer un peu parce que mine de rien j'ai l'impression que je prends très cher. En parlant de terreur, merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, ça devait pas être important, c'est pas grave. C'était pas important, c'est pas grave. Voilà. Elle est trop stylée cette mission. Cette mission elle est trop stylée, c'est qui ça? I don't know how much longer I can hold out, Kinsey. We're gonna die here. I know it. Tell me, Kinsey, where are you? Bon par contre ça devient long là. Je prends pas trop dans la gueule en vrai, ça va. Putain, ils sont arrivés des deux côtés, mec. Y'a du monde. C'est bon. Vite. Oh yes. Oh merde, je croyais qu'il allait montrer sa tête en dehors, tu sais, en mode juste la tête qui dépasse un peu comme dans Thor, tu vois. We need to man the turret. Oh.
actually hit the ships. Please, if your aim was any worse, you'd be shooting yourself. Mec, c'est trop stylé. Je suis désolé, c'est trop stylé. Viens là. Hey man, you still have your man crush on Keith David. That is Mr. Keith Allez. David to you. C'est trop facile. Ha. Merde. Trop facile. Trop facile. Trop. Why won't this thing die? C'est pas bon ça. Hein. C'est pas bon ça. Tu peux mourir s'il te plaît? Par contre, viens fais comme ça. C'était pas facile hein. Il est où ce bâtard? Look at us, killing everything in sight. Is this what being a sociopath feels like? Welcome to the club. Oh la vache! C'était quoi ce bruit, mec? Mec, ce bruit m'a niqué les oreilles. Peut nous foutre la paix, lui? S'il vous plaît, quoi, foutez-nous la paix, monsieur. Hein. Monsieur, je vous demanderai. De vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. C'est bon ? Ok, je pense que nous avons perdu. Je suis en face d'un passageway. J'ai besoin d'une minute pour ouvrir la porte. Évidemment, il va partir. Shit. Qu'est-ce qu'il fait, Kinsey ? Ok, get ready. Shoot the panel on the left. I mean, the right. Kinsey ! Sorry, I'm facing the other way. Ça m'a fait peur. Mais ouais, le bruit, il était chelou, non? Il était ultra fort. J'ai cru que j'avais cassé un truc, je peux pas prendre un screenshot. Why would Zinyak want to build one of those we're in deep space? It has to be another prison. Whose idea of hell is being trapped on an aeroplane? Me, Shondi, and... Oh my god. Johnny's alive. Boss, Johnny's dead. Who else would be stuck in a plane? Shondi? It was a life-defining moment for her. It's the only thing that makes sense. You're wrong. I think she's making a lot of sense. She's wrong. Find out where this is. We're getting my best friend. Prépare des screens au cas où. Bon, c'est pas grave. Elle était très cool cette mission, j'ai vraiment bien kiffé. C'était vraiment cool. Excusez-moi, j'ai soif. Ah, 18. Et... Non, c'était sprint. Putain, il faut 30 clusters, j'en ai que 27. Attendez, on va les prendre. On va dans la simulation, on va les prendre. Salaire, oui, c'est vrai, salaire. Toi, tu me... Hein? T'es fort, hein, Dess, hein? J'ai peur de ce que je viens de faire. Parce que j'ai vu commencer... Non, c'est bon. Oh, merde. Watch out for that stomp! It's sending waves of energy out from him. Je pouvais pas lui tirer dessus. Pourquoi je peux pas le défoncer? Jaune invincible. Je sais, je m'en suis rappelé, mais comment je le mets pas en jaune? Utilise glace. Comment je change d'arme? C'est ça? C'est pas glace ça. Oh, il est plus jaune. Bah du coup j'ai plus de balles. Quel con.
J'ai encore ça. Glace. Attends, c'est quoi glace? Non, c'est aliment froid. Hades, ça me fait rire parce qu'il parle vraiment comme si j'étais gogol des fois. C'est un peu vexant. Utilise glace là! Ton salaire! Ton sang-froid! J'ai l'impression de tout oublier, j'ai l'impression d'entendre mon ancien patron. Quoi. Je l'ai raté. Je veux crever, mec, je l'ai raté. Aïe. Et merde. Putain, enculé. Oh, ça va être long, sa mère, attends. Ça va être long, sa mère, j'arrive pas. Bon ouais, ok. Faut que je le bourrine mais juste avec des armes normales parce que ça c'est de la merde en fait. Ok, j'ai. Le Rocket Alien est pas ouf. Bah ouais hein. En vrai. Heureusement que je tire bien parce que quand même. Parfait. Impeccable. J'ai oublié qu'il y avait des QTE, dis donc. Ah la puissance! Attention. Loading up another training program for you. Écrasement. Merde. Here, use this to test out that stomp thing. So it just stepped down hard. Yep, and the blast wave will hurt them and throw them back. Oh, c'est trop cool. C'est trop bien. Je peux le maintenir en plus. Oh. D'accord, ok, je vois. Ok, je vois. Et les gardiens, l'écrasement, c'est pour leur enlever leur invincibilité jaune. Ça marche. Ok, je vois. Oh, c'est cool ça. L'écrasement de gardien. Pas mal, pas mal. Bon, je veux mes deux clusters. Je veux mes deux clusters. Mes trois clusters, du coup, donc je vais. Je veux mes trois clusters. C'est quoi ça? Club de baston. Je m'en fous, je veux mes clusters. Pour pouvoir avoir la vitesse maximum de. Par contre, le dernier pouvoir, je l'aurais plus du tout. Ah, c'est pas, c'est l'avant-dernier celui-là, c'est ça? Hop. Et 30. Hop. Non, c'est pas super sauce, c'était vitesse. Super sprint, voilà. Les Fight Club. C'est quoi les Fight Club? C'est bien ou pas? Fais voir comment je vais vite, du coup. Oh la vache! Ah ouais, mais c'est bon, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre là. Je les touche même pas. Mais c'est bon, j'ai fini le jeu là.
Ouais, bon. Alors, ok. Il y a peut-être les murs qui sont mes ennemis, effectivement. Dommage que je peux pas passer à travers. Hein. Il y a plus rien qui peut m'atteindre, là. C'est bon, je suis invincible, hein. Les habitants, ils ont même pas le temps de spawn, mec. Yes, tu verras par toi-même. Le Fight Club ? Bon, bah, allons-y. Et après, je couperai. C'était où ? Parce que j'ai oublié, du coup, j'ai couru. Allons-y. Là, je me fais flasher par des radars, mec. Hein. Je l'ai raté. Alors, viens voir. Oh, fais chier. Oh, putain, jure. Ok. Ok, alors allons-y. Essayons ça. Oh, boss versus Nightblade. 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Wave one, fight! Aïe. Serve the bugger right. Les murs, dernier et ultime des mille d'autruche. Ah, mais ça, mec. Moi, c'est les ennemis et la conduite. Bon, du coup, ça va avec, hein, remarque. Hein. Et donc c'est juste au point, ça marche. Ah, j'ai. Ça c'est pour. Oh putain, c'est les ennemis de les étoiles du matin dans Saints Row 3. Putain, ça me gonfle. Ah, je peux pas les faire comme ça, ok. J'ai compris, normalement j'aurais dû faire ça. Oh, on suit ça. Ok, j'ai compris. C'est dur en vrai. Ah bah voilà. Pourquoi il a des meufs avec lui? Bon, c'est Nightblade, hein, donc certes. Mais m'emmerde, non? Tu l'as Mario, ouais, de ouf. Merci, toi. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, mec, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je panique. Je sais pas comment le battre.
Pouf! Oh la vache! Oh la vache! Non mais calme-toi! Oh la vache! Eh, c'était chaud en vrai, hein! En vrai, c'était chaud! C'était cool! C'était cool, ok, c'était cool. Ça a l'air très dur par contre. C'était très dur, mais c'était très cool. Enfin, très dur. C'était pas simple, disons. Mais ça va, tu vois. C'est ok tier, on va dire. Bon, bah écoutez les gars, moi je vais arrêter là pour ce soir. C'était très très cool. Vous étiez un peu plus que ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit une soirée un peu calme. Bon, finalement, vous étiez là. Donc, ça me fait plaisir. Je vais vous souhaiter une très très bonne nuit. Bon, attends, je vais couper le jeu déjà, évidemment, bien sûr. On va faire les choses bien. C'était cool. Votre Tchad reviendra. Votre Tchad reviendra, je vous le promets. Il reviendra très très vite parce que j'ai vraiment envie de continuer, du coup. Faut que je répare le chat parce que du coup il n'apparaît plus du tout sur l'écran, ça me casse les couilles. Bon, on verra. Bon, les gars, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Je vais peut-être vous envoyer chez quelqu'un. Attendez, faites voir, il y a quelqu'un qui stream ou pas là? Quelqu'un que j'aime bien. Putain, il y a tellement de gens qui stream. Je vais plutôt vous mettre de la musique parce qu'il y a tellement de gens qui stream que là je sais pas chez qui vous envoyer. Je vous fais un gros bisou, je vous mets un petit peu de musique, je vous mets le générique de la Lazy Company, comme d'habitude. Ça dure 50 secondes. Merci à tous d'être venus, prenez soin de vous. Ciao.